Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Lancer activité ça depuis décembre. Côté que nous te dit population, nous-mêmes en tant que président conseil de sécurité communale là, nous prenons faire des activités côté pour nous rassurer tout le monde dans commune quoi des bouquets sous activité nous avons fait pour nous prendre mesures nous prenons pour nous assurer sécurité population. Jodi c'est dans le cadre ça nous lancer moi-même avec mon conseil, nous lancer activité ça avec commissaire, nous avons identifié différents points que nous allons placer des antennes de police, des sous-commissariats. Côté nous placé, d'abord nous sommes dans Kafou Chada, côté nous avons identifié le premier point. Après ça, nous sommes passé Santo 17, qui est un point stratégique encore. Nous prenons bon pont Kafou Marassa. Actuellement là, nous sommes exactement dans Kafou Marassa. Tout le monde connaît dans le pays qui est Kafou Marassa symbolisé pour nous. Tout le monde connaît qui est Kouadé Bouquet symbolisé pour nous. Kouadé Bouquet sont débouchés sous plusieurs départements. Kouadé Bouquet sont débouchés sous plusieurs communes. Quoi de bouquet pas un côté nous capables de négliger, surtout Kafou Marassa. C'est dans le cadre de ça, nous lançons l'activité ça. Ton synergie qui est développée entre la justice, la mairie et la police pour nous capables de combattre la sécurité dans la commune. Donc nous connaissons quoi la commune qui a un pile problème. Donc nous, c'est la raison ça qui fait nous jouer ensemble pour nous voir comment nous sommes capables affronter problème. Donc comme magistrat dit, c'est des positions que nous avons identifiées pour nous placer des antennes de police pour ça nous sommes capables et plus présents dans la commune. Et de l'autre côté, nous encore, dans les jours à venir, nous allons parler avec le magistrat encore pour nous voir comment nous sommes capables d'identifier d'autres zones que nous sommes capables de placer des antennes. Dans la nouvelle année, ça, nous retirons le chapeau nous avec respect pour saluer courage et détermination des peuples haïtiens qui pas jamais bouquer gourmet pour changement pays ça. Je dis à Padem Bin devant la presse pour l'inviter tout membre lio, tout sympathisant lio qui dans pays ou qui à l'étranger pour porter coller dans tout mouvement démocratique qu'a fait journée jodia pour détrôner, capoter, chavirer pouvoir sanguiné ça yo qui là qui réduit pays à zéro. Bataille ça pas seulement bataillon groupe, c'est bataille nous toutes. C'est nous toutes qui pour porter coller. Les naptans de toutes vieilles actes, toutes vieilles crimes, viol, vol, qu'a fait ouvertement, sans craindre ni qu'elle saute, ça fait nous à clair que c'est Satan qui a dirigé le pays d'Haïti. Toutes vieilles mauvais, l'esprit sale, l'esprit fait noir, l'esprit destruction, l'esprit corrompu, ça y est, c'est eux qui sous messieurs dames qui a dirigé le pays. Peut-être ça. Jeudi 21 janvier, dès 10h dans le matin, pas d'inviter toute force positive pays. Dans une marche l'ouvri barrière. Cap commencer devant place Saint-Pierre-Pétionville pour le bout devant Ti Saint-Pierre dans la rue panaméricaine. Nous prenons pousser cri douleur nous devant Yeshua. Pour nous dire Adonai, Haïti pas des amis. Nous pas capables encore. C'est seul lui-même qui a mis nous. N'a porté plein de bali parce que nous drivé nous trop. Non, sans respect dans le pays étranger. Nous bouquons, ouais, Jean, y a violé petit nous, devant genou, et responsable pays a pas dit yon mot. Nous bouquons, avec affaires grand goût, malade sans soin, mourir couché. Jeudi 21 janvier, devant place Saint-Pierre, dans Pétionville, nous prenons le palais à Kadonaï. Nous prenons souffler trompette, nous prenons sonner chauffard, nous prenons sonner lambi pour Yeshua qui prend contrôle bataille là. Voyez fois ça, l'esprit bon comprendre nous sous nous pour nous pas perdre dans route. C'est pour Adonai, pas permettre yo ban nous panzou encore
à chaque fois l'île qui arrive dans la fin, toujours on pense ou parler pour nous. Mais fois ça, Adonai parle parler pour nous. C'est pour lui bon nous bon force, pour nous goûter, pour nous bataille et pour nous gagner la bataille là. Et mettez deux mains. Nous réunis là pour nous capables inaugurer ouverture espace de bureau CNEH et UNOE, mais espace de travail tout syndicat cap milité et dans le domaine éducation et dans l'autre domaine qui besoin joindre espace pour réfléchir, pour planifier, pour renforcer activité que nous avons mené, qui c'est de activité qui important dans la vie de nos sociétés, qui c'est de activité qui important pour renforcement lien social, lien économique et qui pour garantir tout droit que chaque citoyen, chaque travailleuse gagne pour que yo capable ouais bien-être fleuri pour yo dans activité travail yo, pour yo ouais droit social yo, droit économique yo, droit moral yo gagne un outil qui pour permettre que droit ça yo pas violé. C'est une occasion tout pour nous remercier International de l'éducation, pour nous remercier des partenaires locaux et internationaux, pour nous remercier chaque membre UNOE, chaque membre CNEH qui t'a porté contribution yo pour faire journée jodi a la joindre espace pour nous continuer renforcer outils bataille ça li tourner yon réalité. Nous capables d'exister, nous pas prendre dans contexte jeudi parce que nous capables d'être tribunal pratiquement bloqué dans le pays d'Haïti depuis plus de 3 ans. En question de grève à répétition, les pas gain événements sociopolitiques et gain grève greffier, leur sorti dans grève greffier ou tomber dans grève juge après ça tomber dans grève commissaire. Donc tribunal là non situation de blocage depuis plus de 3 ans dans le pays. Nous pas pour doyen seulement, moi je pense que c'est tout acteur yo, doyen, commissaire là, yo tout ensemble qui pourta garder pour yo ouais comment yo capable aborder problème là et organiser yo parce que y a des gens qui a souffri dans prison pour yo capable organiser quelques sièges pour yo capable essayer faire tribunal à fonctionner. Mais pour nouvelle année ça peut-être que juge ou gen doit en vacances yo beaucoup venir peut-être doute quelques union gen siège ça pas changer trop bagaille non ou t'a besoin union gen siège qui t'a prend peut-être semaine prochaine ou gen doit avoir union gen siège qui apprend. Mais tribunal là normalement li c'est pas un tribunal qui a marché, la justice même bloqué dans le pays, et ben, il n'y a pas de marché, avocat pas qu'à passer dossier, justiciable pas qu'à jouer de justice. C'est dans la situation globale d'injustice et de dysfonctionnement de la justice où il y a là, ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à avoir des résultats sur le dossier qu'on a fait suivi pour nous, dossier bloqué, ou pas qu'à faire procédure, ou qu'on a un dossier là, et dossier a fait plusieurs années normalement, ou pas qu'à avoir des résultats. Conséquences en grave, et conséquences en passe au avocat seulement. Justice à bientôt. Question ça, son question, on t'a dit, qui toujours fait surface. Et faut comprendre nous-mêmes en tant qu'avocat, nous-mêmes en tant que défenseur de monde, donc nous pas jamais suspendre, soulever pour ça, parce que tribunal là, c'est pas la première fois les dysfonctionnels. Donc, son problème qui récurrent, son problème qui fréquent, et le dysfonctionnement du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais on va comprendre que, à chaque instant, une grève qui toujours a rongé
fonctionnement du système. Jusqu'au moment où on parle à voilà, les tribunaux ne fonctionnent pas. Donc la situation carcérale des prisonniers est inquiétante. Et des justiciables, pas qu'à une justice. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous pas qu'à travail. Hier, on t'a parlé avec un avocat, il dit que la fond dossier dans le cabinet advocatus, un dossier qui est évalué à 200 000 dollars, client débarqué dans le cabinet, il n'y a client dit pas capable. Donc, dysfonctionnement tribunal, ça n'a pas d'impact non seulement sur les prisonniers, mais il a impact sur l'avocat ou tout. Parce que les avocats vivent de leur salaire, les avocats vivent de ce qu'ils gagnent, de leurs honoraires. Mais l'organe a une bonne autorité qui, pas soucieux de dysfonctionnement tribunal là. Donc, t'as une grève parquetier, et nous féliciter, grévisseur, lever grève là. Mais une grève encore qui, dans le tribunal là, c'est la grève des griffiers. Donc, est-ce que vraiment, autorité nous yo consacrer le droit d'accès à la justice? On se pose la question. Parce que c'est anormal, mon ami. Ça pas supposé une anecdote pour que système judiciaire en pays pas fonctionner, pour que appareil justice pas fonctionner. Nous-mêmes, comme défenseurs de droit monde, on continuera à tirer la sonnette d'alarme parce que un dysfonctionnement de tribunal, le dysfonctionnement d'un appareil judiciaire doit inquiéter tout le monde. Mon ami, nous vivons une situation côté que peuple haïtien à bout. Nous vivons une situation côté que haïtien, justiciable, prisonnier, huissier, avocat, yo à bout. Personne pas qu'à supporter encore. Maintenant, une grève, nous m'attendais de toi, mon capable, ou du pas capable encore. Parce que dysfonctionnement tribunal arrivé trop loin. Faut comprendre que et nous organiser plusieurs conférences de presse. Parce que défenseur droit monde font une bataille pour le respect du droit d'accès à la justice. Font une bataille pour le respect et la préservation des libertés fondamentales. Mais au niveau du cadeau, nous avons plusieurs avocats. Et nos services sont gratuits. Pas bien que le tribunal n'a pas fonctionné pour ça. C'est monde qui n'est en prison pas aider. Monde qui vient juger pas aider. Et maître Arnel Rémy, en tant qu'avocat, toujours prêt pour les détruire ça. Et je lance ce message avant de terminer. Monsieur le ministre de la Justice, levez la grève, permettez à ce que le système fonctionne. Monsieur le Premier ministre, permettez le fonctionnement du système parce que les avocats n'en peuvent plus. Les justices n'en peuvent plus et il faut respecter le droit d'accès à la justice de chaque citoyen. Quitter le pays, ça vient à peu près de 40 à 45 ans. Quitter le pays en 1979. Et même entre Miami, je continue l'étude. Dans la faculté, dans l'université de Florida. Quitter me dit, en 1999, un haïtien, au monde qui sortit par bon site, la personne de Joe Célestin, est arrivé premier noir en Floride à être élu magistrat de une plus grosse ville dans Floride. Là. C'était moi-même. Nous réaliser. Bagay que même Américain noir qui fait dans le pays, que c'est Jamaïque et tout le monde, Patrice. L'homme est venu le lendemain, dans le journal Marmiral, vous êtes venu par vôtre, vous êtes venu par vôtre. Ça est important, fini étudier en tant qu'ingénieur architecte. Je suis une plus grosse firme qui est en Floride. Et avant de découvrir le magistrat, en 1997, je suis apporté comme conseiller officiel président Clinton. Je fais 7 ans à Washington comme conseiller président dans la Chambre national. National. Je suis rentré back en Floride, côté avec connexion politique, même devenu élu et magistrat 4e plus grosse ville en Floride. Là. Je suis associé avec un pile organisation et l'aime de fin élu, je suis j'arrête marcher dans tous les États-Unis hein, pour me assurer que l'autre monde élu tout. Je ne veux dire, nous avons 245 Haïtiens élus dans tous les États-Unis. Mais c'est fondateur d'une organisation créée le NION qui compose des Haïtiens qui jugent. Je ne veux dire à l'avocat général de la ville Washington,
sont haïtiens. Je ne veux dire qu'il y a des juges fédérales qui sont haïtiens. Je ne veux dire qu'il y a des magistrats, des sénateurs haïtiens aux États-Unis. Nous avons une force à travers Nyon qui est extrêmement importante. Mais qui me dit nous, dans toute réalisation que nous disons que nous avons fait en Floride, que nous avons fait à New York, que nous avons fait aux États-Unis, je dis là, c'est le plus gros moment que nous avons confronté. C'est la possibilité pour nous trouver la caille. Toute connaissance de tête ensemble, nous allons développer un plan économique de lancement économique pour Haïti. Et s'il vous plaît, parlez-vous pas de question de 144 millions de gourdes. Qui budget pays a pour année? Et savez-vous quoi, 144 millions de gouttes? Ça fait 2 milliards de dollars, c'est qu'est-ce que la République dominicaine a mis pour son éducation. Haïti rachitique, Haïti gagne un vel à donne. Les notes si vous ne connaissez les vers solitaires, qu'a bouffé tout ça au bon manger. Et votre petit bagage plein d'être fait. Mais c'est pas faute vert. On ne va pas créer des médicaments pour nous tourner vert. On va mettre des médicaments pour nous faire vert descendre. Et pour ça, pour nous servir de... Parce que pas en 1804, nous venions Roche, nous venions bagaille, nous venions bon pour gagner, nous pas faire rien. Et tête nous pour nous développer. Intelligence nous pour nous mettre là. Piquer bien ensemble. Pas supérieur que vous, pas supérieur que vous. C'est le bagaille que nous connaissons après 42 ans. Si j'ose à me camper là, ensemble avec nous, c'est parce que nous aimons nous. L'UEH là, a mené une réforme pour que lui change de tête. Mais quand ça nous fait tête, nous promesse pour nous, pour UEH là venir, il y en a. Pi bon université dans la région Caraïbe là, si ce n'est pas pi bon université. Là. Et pour sa fête, nous embarquons dans la logique de transformer, Jean gestion académique là, en fait, de transformer Jean la présenter, la préparer. Cadre pour payer. Université de tous côtés, il y a un genre fonctionné. Il y a un genre enseignement en fait. Il y a un genre évaluation en fait. Dans tout ça, il y a une rigueur qui est associée avec elle. Et nous chita sous élément ça pour nous dire que moi, en 2050, au moins, l'UEH là, il a parlé de lui comme une des meilleures universités dans les Caraïbes là, si ce n'est pas plus bonne université. Là. Est-ce que nous devons là aujourd'hui pour que nous ayons une commission qui est en place pour gérer et zeg? Pas comme ça. Si nous là, c'est parce que il y a une raison qui fait que nous là. Et raison par l'autre bagaille que ces gens enseignement a fait, ces gens évaluation a fait. Est-ce que ils respectent les normes académiques que toute université qui gagne non doit figurer respecter. Et dire attaché à l'UEH et qui fait partie de l'UEH. Si la logique réforme UEH là, côté que c'est un moule que nous mettons en place qui concerne toute entité,
qui est attaché à elle, quelle est l'entité de province, quelle est l'entité dans l'Ouest là, de tout à passer dans le même moule là. Donc si c'est réformer, non, réformer, format et système non seulement dans, et à distance dans le direct, la fait. Mais faire là-bas le dit que son catégorie à particulier, il doit suivre, subir régime académique que l'a mettait en place qui est capable de renforcer l'UHA dans tout sens que l'on doit gagner. À étudiant directement qui est impliqué dans les diègues, nous pas supposé que nous problème parce que ça pas concerné nous, ça concerne principalement qualité formation que nous voulons barou lorsque sorti dans l'UHA ou sorti avec un diplôme qui fait poids. Quand on allait, le café fait appel à vous, le café respecté ça que vous là. En pire, je suis content parce que la cérémonie jour aujourd'hui a mis une sous-route pour nous remplir une exigence résolution état généraux UH là, dans la date 16 mai 2019, qui demandait le conseil exécutif là, dans la disposition numéro 23, pour nous voir un coup de geste spécial. Sans perdre du temps sous deux écoles en particulier qui dans le système UH là, Gonaïve à Okaï. Et puis pour lui chercher à résoudre grave problème il a confronté. Cérémonie ça permet de nous faire un pas tout neuf. La considération nous gagne pour Michan Études Fédération Barreau d'Haïti qui est présenté dans le mois de janvier 2020, sous enseignement sciences juridiques. C'était un véritable coup de lambi. Sous qui qualité juriste n'a pas formé, et sous qui danger ça représentait pour professionnels de droit et système judiciaire pays. Nous avons ramassé étude ça à la papote. Et n'a profité de saluer la présence du secrétaire général de la Fédération Barreau d'Haïti, directeur études école magistrature, qui s'est partenaire nous dans la commission tripartite UEH EMA FBH sous enseignement droit dans le pays d'Haïti. Cérémonie aujourd'hui permet de nous avancer tout sous programme rectorat gagné pour restructurer toute l'école droit et économie nous. Dans Port-au-Prince et dans la province. Nous faisons Jacques Mel déjà. Aujourd'hui, nous avons fait Gonaïve. Nous avons bien pour nous continuer dans Okaï, Port-de-Paix et tout l'autre. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.